J'étais libraire à la FNAC, j'ai été vendeur de meubles, veilleur de nuit, caissier, assistant chef produit, enfin j'en ai fait des dizaines et des dizaines, jusqu'à ce que je trouve le métier qui me permettait d'être à la fois proche de ce que j'aimais, c'est-à-dire le livre, donc libraire c'était pas mal, et puis en même temps qui me laissait quand même pas mal de temps pour bosser, c'est-à-dire que j'avais des horaires fixes et je rentrais chez moi le soir, je pouvais écrire toute la soirée, pendant les week-ends, pendant les vacances, et c'est à cette période-là que j'ai écrit L'âme du mal, mon premier roman publié. Je me souviens bien que c'était un mardi soir, devait être pas loin de 22 h, et j'étais justement sur le manuscrit en train de recorriger pour la énième fois des petits passages, pour les peaufiner, et j'avais distillé comme ça deux, trois de mes livres dans le milieu littéraire parisien, en espérant que ça arrive dans les bonnes mains. Et le téléphone sonne et j'entends une voix qui me dit Maxime, c'est Michel Lafon, je viens de finir à l'instant le livre, j'adore, je veux qu'on le fasse ensemble. Et moi j'ai cru que c'était un copain, moi j'y ai pas cru, donc je l'ai envoyé balader, ouais bien sûr, allez, qui Non. sait, c'est Frédéric, c'est Sébastien, qui sait. Et pendant peut-être 30 secondes, il a fallu qu'il dise, mais si, bien sûr, c'est moi, c'est vraiment Michel Lafon, est-ce qu'on peut se voir? Et j'y croyais pas une seconde, quoi, jusqu'à ce que je réalise, et là je me suis senti un peu bête. C'est génial ça. Ouais.